de la rampe. Morin s'avance. Morin, derrière le filet, tente de ramener devant. Il y avait Alabi qui l'attendait. Morin devant, la rondelle est libre. Avec le patin, on a poussé. On a poussé le disque. Non, c'est pas un but, ça. C'est pas un but. C'est impossible. Alors que Morin jette les gants devant Reed Alabi, on va suivre ce dossier-là. Il y a eu une passe très claire de Chapados avec le patin sur la fréquence. Et Morin donne un coup derrière la case d'Alabi. On peut pas lui reprocher le courage, en tout cas, parce qu'il donne au moins un pied et demi à son opposant. Et surtout, la longue portée de Morin. Alabi se rend pas. Donne des petits coups du gauche en accrochant le chandail de Morin. Et Morin, la droite. On est accrochés les deux. Épreuve de force. Il y a une droite qui a passé de la part d'Alabi. Et Alabi fait preuve de courage avec le grand Samuel Morin. A passé tout près de le renverser. Mais la force de la grandeur, finalement, est... C'est physique presque la situation qui s'est passée là-dessus. Écoute, c'est quoi les mensurations des deux pugilistes, Claude? Exactement, 9 pouces de plus en faveur de Samuel Morin. Quelques livres également à qui les différencie. Mais là, regarde, Julio Milia est en train de montrer à l'arbitre. Il fait signe, on joue pas au soccer.